Salam alaikum, aujourd'hui place à une délicieuse entrée de cigares et bréouettes au thon cuit au four. Bismillah, commencez par griller les poivrons jusqu'à ce qu'ils deviennent foncés sur tous les côtés. Les ingrédients se trouvent au lien sous la vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour être informé de toutes nouvelles recettes publiées. Ensuite, placez-les dans un sac puis laissez refroidir. Entre-temps, rajoutez tous ces ingrédients dans un grand saladier, du thon émietté, des olives hachées, de la chapelure. La chapelure va aider à absorber le liquide. Ensuite, rajoutez l'huile d'olive, le jus de citron, un œuf, puis du persil haché. Et en dernier, ajoutez les épices, le paprika, sel et poivre. Et laissez de côté le temps de retirer la peau des poivrons et de retirer les graines. Coupez les poivrons en petits morceaux, puis les ajoutez au restant d'ingrédients. Bien mélanger, puis laissez de côté. Coupez les feuilles de pastilla en quartier, puis huilez chaque quart. Déposez une à deux cuillerées de la farce, puis enroulez pour former un cigare. Pour former des triangles, nommés également bréouettes, enroulez une ou deux feuilles de pastilla, puis découpez des morceaux de taille égale. Déposez une petite cuillerée de farce en bas de la bande, puis enroulez la feuille afin de former un triangle. La feuille est huilée, donc ce n'est pas nécessaire de sceller avec un mélange de farine et eau. Déposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé, puis faites cuire au four à 180 degrés pendant environ 15 minutes ou jusqu'à bien dorer. Une fois sorti du four, déposez un peu de fromage râpé par-dessus, puis laissez fondre. Décorez d'un peu d'origan ou persil séché. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer la recette et de vous abonner à la chaîne pour en être informé de toutes nouvelles recettes. Je vous dis bon appétit et à très bientôt, Inch'Allah.